Qu'est-ce que c'est? Mais ça venait d'où? Ça vient de Taylor Swift. Oh mon Dieu! Et d'après Scott Orliard, le crime a eu lieu au 24 Culver Street à Paddington. La victime, qui vient juste d'être identifiée, est une certaine Madame Maureen Lyon. Madame Barlow ? Grâce à plusieurs témoins qui étaient proches des lieux, la police recherche un suspect aperçu dans les parages. Il portait un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Un point météo maintenant. Les fortes chutes de neige vont se poursuivre durant la nuit et des températures verglaçantes sont attendues sur tout le pays, plus particulièrement au nord et sur la côte est de l'Écosse. Si vous devez prendre le volant ce soir, méfiez-vous des routes verglacées et des congères qui risquent... Madame Barlow ? Ouh! Qu'est-ce qu'il fait froid? Madame Barlow? Molly! Molly! Tu es là? Te voilà enfin! C'est moi qui fais tout le boulot ici, espèce de monstre! Ça va, ma chérie? Mais tu as une étouffe froide? Je viens juste de rentrer! Tu n'es quand même pas sortie par ce temps-là? Je suis allée au village! Alors, tu as le grillage pour le poulailler? Non. Non, j'ai rien trouvé de bien. J'ai fait plusieurs quincailleries, mais je n'ai pas trouvé. J'ai perdu ma journée, moi. Bon sang, mais je suis à moitié gelé. Je parie qu'on ne va pas être déneigé avant demain. Tu crois? Pourvu que le tuyau ne gèle pas. Ça dit quoi le chauffage? Pas terrible. J'aimerais tellement que tout se passe bien. La première impression est tellement importante. J'imagine que personne n'est encore arrivé. Non, Dieu merci. Madame Barlow est partie de bonne heure. Je suppose qu'elle a eu peur de la neige. Mais quelle plaie, cette femme de ménage. Du coup, tu dois tout faire toute seule. Nous devons tout faire tout seul. Je te rappelle que nous sommes associés. Tant que tu ne me demandes pas de cuisiner. Non, non, ça c'est mon rayon. Toutes tes chambres sont prêtes? Oui, alors. Madame Boyle, la chambre de devant avec le lit à baldaquin. Major Metcalf, la chambre bleue. Mademoiselle Caswell, la chambre à l'est. Et Monsieur Vren, la chambre en chêne. Je me demande de quoi ils vont avoir l'air, tous ces gens. Tu ne penses pas qu'on aurait dû leur demander de payer d'avance? Bien sûr que non. Et si on se fait avoir? Ils vont avoir des bagages. S'ils ne payent pas, on garde leurs bagages, c'est tout. Tu fais une drôle de femme d'affaires, toi. Et comme nous l'avancions dans notre précédent journal, la victime a été identifiée par Scotland Yard. Il s'agirait d'une certaine Madame Maureen Lyon. Le crime a eu lieu au 24 Culver Street à Paddington. Grâce à plusieurs témoignages, la police recherche un suspect aperçu dans les parages.
portant un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Un point météo maintenant. Les fortes chutes de neige vont se poursuivre durant la nuit. Et des températures verglaçantes sont attendues sur tout le pays, plus particulièrement au nord et sur la côte est de l'Écosse. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, le temps est parfaitement épouvantable. Mon taxi a refusé d'entrer dans votre allée et m'a laissé choir dans votre portail. Madame Rasson, je suppose. Christopher Wren, enchanté. Comment allez-vous, monsieur? Ah, vous savez, vous n'êtes pas du tout comme je vous imaginais. Je vous voyais en veuve d'un général de l'armée des Indes en retraite tristement sinistre et coloniale, dans une maison pleine d'objets en cuivre de Bénarès. Mais en réalité, c'est divin! Oh, c'est divin! C'est complètement divin, je vois, j'adore cet endroit. Vous avez des bibelots en porcelaine, des fleurs, des oiseaux du paradis. Je crains que non. Quel dommage. Et un buffet, un gros buffet en chêne avec des têtes roses sculptées. Oui, nous en avons un dans la salle à manger. Non, c'est pas là, je peux le voir. Est une certaine Madame Maureen Lyon. Pour ce crime qui a eu lieu au 24 Culver Street à Paddington, nous vous rappelons que la police recherche un suspect portant un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Si vous apercevez cet homme, prévenez immédiatement la police. Il peut être extrêmement dangereux. Et maintenant, revenons à un peu plus de douceur avec un peu de musique. Venez donc vous réchauffer. Oh, absolument parfait. C'est exactement ce qu'ils font dans ce genre de demande. Mais pourquoi n'avez-vous pas une grande table de salle à manger au milieu de la pièce? Oh, bah l'été, les grandes tables, ça ne va pas du tout avec le reste. Nous avons pensé que nous autres préféraient un peu d'intimité pour leur repas. Voici mon mari, Christopher Wren. Comment allez-vous? Oh. Le temps est parfaitement épouvantable. Mon taxi a refusé d'entrer dans votre allée et m'a laissé le choix devant votre portail. Madame Raston! Vous aviez raison à propos des petites tables. Si vous aviez une grande table en chêne, il vous faudrait toute la petite famille qui va avec. Un père tes œufs et sa mère portant une barbe. 11 enfants d'âge varié, une gouvernante sinistre et une pro-variette, la cousine malheureuse. Femme à tout faire pour l'espace, mais qui est très 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 reconnaissante de pouvoir vivre dans une si bonne maison. Je monte votre valise. La chambre en chêne, c'est ça? Oui. J'espère qu'elle a un lit à baldaquin avec des petites fleurs sculptées. Pas du tout, non. J'ai l'impression que votre mari ne m'aime pas trop. Vous êtes mariés depuis longtemps? Non, vous avez besoin d'un code. Nous sommes mariés depuis un an. Voulez-vous monter voir votre chambre? Oh, je suis terriblement indiscret, pardon. Mais j'aime tout savoir sur les gens, pas vous. Je trouve tellement intéressant. Je suppose que certains le sont, oui. Et d'autres moins. Oh, non, ils sont tous intéressants, car on ne sait jamais qui ils sont vraiment, à quoi ils pensent. Les seules personnes qui savent ce que pensent les gens, ce sont les artistes. Ah, vous êtes artiste? Oh, ben nous alors. Je suis architecte. Mes parents m'ont baptisé Christopher, dans l'espoir que je devienne architecte, Christopher Wren. Comme le grand architecte de la cathédrale Saint-Paul à Londres, Christopher Wren. Du coup, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre qu'architecte. Avec un nom comme ça, la moitié du chemin était faite. Oh, je vais me plaire ici. Et je trouve votre femme incroyablement sympathique. Mais tant mieux. Et divinement belle. Oh, on n'exagérait rien. Oh, n'est-ce pas typique de mon vieux? Les compliments les embarrassent toujours. Sur le continent, les Européennes trouvent les compliments tout à fait naturels. Mais les Anglaises sont écrasées par leurs maris. Les Anglais ont quelque chose de très lourd. Les maris anglais, je veux dire. Si nous montions voir votre chambre. Oh, avec plaisir. Oh.
Je suis bien au manoir de Monkswell. Oui. Madame Boyle. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Gilles Ralston. Venez vous réchauffer près du feu, Madame Boyle. J'aimerais mieux commencer par me réchauffer près du feu, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quel temps épouvantable, non? Vous n'avez pas d'autres bagages? Comment mais pas... Parlez plus fort! Vous n'avez pas d'autres bagages? Un certain major s'en occupe. Major Metcalf, je crois. Bien. Nous avons dû partager un taxi depuis la gare. Le taxi n'a pas voulu se risquer dans votre allée, nous a déposé dans la grille. Alors, on a partagé un taxi depuis la gare, qui a d'ailleurs été très difficile à trouver. Le taxi, dans la gare. Apparemment, vous n'aviez pas prévu de venir nous chercher. Je suis vraiment désolé, Madame Boyle. Nous ne savions pas à quelle heure vous arriviez. Autrement, bien sûr, on serait venu vous chercher. Vous auriez dû venir à tous les trains. Laissez-moi vous débarrasser. Ma femme sera là dans un instant. Je vais juste aller donner un coup de main au major Metcalf pour porter les bagages. Vous auriez pu au moins déneiger votre allée. Ah mais ben, j'en fiche complètement. Je suis désolée, je... Madame Ralston. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous êtes bien jeune. Jeune? Pour tenir une maison d'hôte, vous devez avoir très peu d'expérience. Il faut bien un début à tout, n'est-ce pas? Comment mais parlez plus fort. Il faut bien un début à tout. Je vois. Aucune expérience. Vieille maison. J'espère que vous n'avez pas de sale pétrin. Bien sûr que non, la maison est en parfait état. Elle aurait besoin d'un bon coup de peinture. Par ici, major. Ma femme, comment allez-vous? Comment allez-vous? Non, mais quelle tempête! J'ai cru qu'on n'arriverait jamais. Si ça continue comme ça, on aurait 1,50 m de neige demain matin. Je n'ai pas vu ça depuis 1940. Je vais monter votre valise. Quelle chambre pour le major déjà? La bleue ou la rose? Non, alors j'ai mis Monsieur Brett dans la chambre rose et volé le lit à baldaquin. Donc, Madame Boyle, la chambre en chaîne, et le major, la bleue. Major! À vos ordres! Monsieur! Vous devez avoir du mal à trouver du personnel de maison, ici. Nous avons une femme de ménage qui habite au village. Non, mais je veux dire pour le personnel à demeure. Ah, nous n'avons pas de personnel à demeure, juste mon mari et moi. Pas de personnel. Et puis ce temps-là, cette tempête, ça gâche notre arrivée. Nous avons du mal à agir sur le temps, Madame Boyle. On ne nous enlève pas pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Oh, j'adore les comptines, pas vous. Oh, toujours été terriblement triste et macabre. Mais c'est pour ça que les enfants les adorent. Puis-je vous présenter Madame Boyle, Monsieur Brett? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, c'est une très belle maison, vous ne trouvez pas? Oh, magnifique. À mon âge, le confort d'un établissement compte plus que son apparence. Si j'avais su que cette maison n'était pas en ordre de marche, je ne serais pas venue. Eh bien... Rien ne vous oblige à rester si vous n'êtes pas satisfaite, Madame Boyle. S'il y a eu un quelconque malentendu, il serait sûrement préférable que vous alliez ailleurs.
Je peux rappeler le taxi pour qu'il revienne. Les routes ne sont pas encore bloquées. Mais ne croyez pas que vous allez vous débarrasser de moi comme ça. Si vous me conduisez à ma chambre, Madame Ralston. Mais certainement, Madame Boyle. Chérie, tu as été magnifique. Oh, cette femme est parfaitement désagréable. Vous devriez la mettre sous la neige, dehors, ça lui apprendrait. Je crois que je vais devoir renoncer à ce plaisir. J'en ai bien peur. Entrez! Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ma voiture est bloquée à 500 mètres. Ça patine, il n'y a plus moyen d'avancer. Laissez-moi vous prendre ça. Vous avez d'autres bagages dans la voiture? Non, je voyage léger. Je suis content de voir que vous avez un bon... Monsieur Vren, madame... Caswell, mademoiselle Caswell. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ma femme descend tout de suite. Rien de presse. Il faut que je décongèle. On dirait qu'on va être bloqué par la neige. La météo prévoit de fortes chutes de neige. Alerte sur les routes, sur toute la région. Etc, etc. J'espère que vous avez assez de provisions. Oui, oui, ma femme pense à tout. Et puis, en cas de besoin, nous pourrons toujours manger nos poules. Nous avons des poules. On pourrait déjà manger leurs œufs. Rien de neuf dans la presse, à part le mauvais temps. La crise politique, pour changer. Ah oui, il y a eu un crime assez bizarre aussi. Un crime? Oh! J'adore les crimes! Ils pensent que c'est un crime de maniaque. Une femme étranglée vers Paddington. Sûrement un maniaque sexuel. Ça ne dit pas grand-chose, on dirait. La police recherche un individu aperçu à proximité de Cover Street à l'heure du crime. Taille moyenne, manteau sombre, écharpe claire et chapeau. Voilà un signalement très utile. Ça pourrait être n'importe qui, non? Qui est la victime? Une certaine Madame Lyon. Madame Maureen Lyon. Mademoiselle Caswell, ma femme Molly. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Quel temps! Voulez-vous monter dans votre chambre? Il y a de l'eau chaude. Vous pourrez prendre un bain. Très bonne idée. Oh, c'est un fou. Il faut que je prépare le dîner. Le major Metcalfe, ça va, je suis sûre qu'il sera content. C'est Madame Boyle qui m'effraie. Il faut que tout soit parfait. Je pensais ouvrir une boîte de bœuf haché aux céréales et une boîte de flageolets à la menthe avec de la purée de navet et une petite sauce au capre. Et pour le dessert, du flan à la jus de betterave. Tu penses que ça ira? J'ai l'impression, oui. Ce n'est peut-être pas très original. Et j'adore cuisiner. Je peux vous aider? Et pourquoi pas une omelette? C'est divin, une omelette. Vous avez des œufs? Ah, ça oui, on a des poules. Elles ne font pas tant qu'elles le devraient. N'est-ce pas, Gilles? Mais ça va. On a des poules pas mal d'œufs. Et si vous aviez une petite bouteille de vin, n'importe lequel, même bon marché, on pourrait le mélanger au bœuf haché. Ça lui donnerait un petit côté cuisine française. Allons voir ce que vous avez dans la cuisine. Ça me donnera l'inspiration. Avec plaisir.
Hey, por capaz, no me leta, española. ¡Ole! Non mais quel con! Ça me donnera de l'inspiration. Je vais t'en donner, moi, de l'inspiration. Il est adorable. Si nos pensionnaires se mettent à faire la cuisine à notre place, ça va nous épargner bien du travail. Mais non d'un chien. Mais pourquoi tu lui as donné la meilleure chambre? Je te l'ai dit, il voulait le lit à baldaquin. Il voulait le lit à baldaquin? Non mais quel crétin! Gilles! Il ne me plaît pas. Je suis sûr que c'est un type qui passe son temps à escroquer les hôteliers. Je suis sûr que non, je l'aime bien, moi. Par contre... Je trouve que Mademoiselle Caswell est un peu bizarre, non? C'est une femme affreuse. En admettant que ce soit une femme. Eh, on n'a tout de même pas de chance. Tous nos pensionnaires sont soit bizarres, désagréables, ou les deux. À part le major Metcalf, il a l'air bien, non? Ouais. Je suis sûr qu'il picole. Mais bon, on a passé pire. Maintenant, ils sont tous là. Tiens, qui est-ce? Sûrement l'assassin de Culver Street. Arrête! Entrez! Je veux excuser. Je veux être très... Mais où je veux être en fait? Vous êtes au manoir de Monkswell. C'est une maison d'hôte, une pension de famille. Mais quel hasard! Formidable! Formidable! Madame! Prière exaucée, Jabouski. Maison d'hôte. Ma roue s'est coincée sur la neige sur bord de route. Je passe à voir où je vais être. Alors, pensée dans tête, moi mourir congelé. Alors, je prends un petit sac et je marche dans la neige. Je titube, je glisse, je manque tomber 100 fois. Puis moi voir portail devant moi. Je vois maison, moi sauvé. Mais tout de même, 2 fois je tombe dans la neige dans l'allée. Pour pouvoir déneiger tout de même. Mais finalement, moi, arrive. Et immédiatement, désespoir transformé en joie. Pour avoir chambre libre, j'espère. Absolument. C'est malheureusement une chambre assez petite. Oh, naturellement. Naturellement. Vous avoir client? Nous venons d'ouvrir aujourd'hui même. C'est tout nouveau pour nous. Charmante. Charmante. Et vos bagages? Pas d'importance. Voiture fermée à clé. Mais il vaudrait peut-être mieux les rentrer, non? Non, non. Par nuit pareille, voleur pas dehors. Voleur dans la maison. Et moi, tout avoir ce qu'il faut d'un petit sac. Oui, oui. Tout ce qu'il faut. Je vous en prie. Réchauffez-vous près de la cheminée, je vais monter préparer votre chambre. Elle est malheureusement assez froide, elle est plein d'or, mais toutes les autres chambres sont occupées. Donc, vous avoir client? Il y a le major Metcalf, Madame Boy, Mademoiselle Caswell, et un jeune homme, Christopher Wren. Et vous? Oui, moi client inattendu, client pas invité, client qui surgit nulle part dans un milieu tempête. Très dramatique, non? Mais qui je suis? Vous pas savoir. D'où je viens? Vous pas savoir. Moi, homme du mystère. Mais maintenant, tableau complet. Maintenant, plus arrivé. Plus départ non plus. Pas possible mieux pour moi. Au fait, je m'appelle Paravicini. Ah, très bien, nous c'est les Ralston. Ah, bien, monsieur et madame Ralston. Et nous être
manoir de Maxwell, maison d'hôte. Parfait. Parfait. De ne pas m'avoir dit qu'il venait juste d'ouvrir. Il faut bien un début à tout. Quoi? Parlez plus fort. Je dis, il faut bien un début à tout. En tout cas, le petit déjeuner était excellent. Café parfait, thé à la menthe, œufs brouillés, confiture maison et bien servi. Cette petite dame fait tout elle-même. Des amateurs, il devrait y avoir du personnel. Le déjeuner aussi était excellent. Du cornet de bif à la menthe. Ah oui, mais du cornet de bif très bien préparé, avec une sauce au vin. Et Madame Ratson nous a prévu une tarte surprise pour ce soir. Eh bien, moi ici, je me méfie des surprises. Oh. Et puis, ces radiateurs sont juste tièdes. Je vais leur dire. Les lits aussi sont très confortables. En tout cas, le mien était. Et le vôtre? Quoi, le pauvre? Le vôtre! Votre lit, il était comment? Ça peut aller. En tout cas, je me demande bien pourquoi la meilleure chambre a été donnée à ce jeune homme très bizarre. Il est arrivé le premier. Premier arrivé, premier servi. D'après la publicité, on n'imagine pas du tout l'endroit comme ça. La bibliothèque a l'air plus confortable, le salon a l'air plus grand, avec une table de bridge et tout ce qu'il faut pour passer le temps. Un paradis à mémé. Qu'est-ce que vous dites? Je disais, oui, pardi, vous n'avez pas aimé. Ça, c'est sûr, je ne resterai pas longtemps ici. Ça, c'est sûr, vous ne resterez pas longtemps ici. Ce jeune homme est vraiment très bizarre, il doit être mentalement déséquilibré. Il a dû s'échapper d'un asile. Eh bien, je ne serai pas du tout surprise. Gilles! Oui? Tu peux venir donner Gilles Perron de la porte de derrière? J'y vais. Je vais vous donner un coup de main. Ça me fera faire de l'exercice. Et puis ça m'évitera de rester avec la vieille. Oh, oh pardon, je vous en prie. Oh non, mais vraiment, mais c'est incroyable. Mais cette jeune femme ne connaît rien du tout à la façon de tenir une maison. Elle traverse le salon avec un aspirateur. Non, mais il n'y a pas un escalier de service? Si, il y en a un. Un très bel escalier de service. Très pratique en cas d'incendie. Eh bien, il devrait y en avoir un. Mais, justement, il y en a un. Eh bien, dites-le. Mais alors, s'il y en a un, pourquoi ne pas l'utiliser? Et puis, de toute façon, le ménage aurait dû être fait ce matin avant le déjeuner. Il a bien fallu que notre hôtesse le prépare, ce déjeuner. Ça prend du temps. Tout cela est très désordonné et amateur. Il devrait y avoir du personnel. Eh oui, pas facile de trouver du petit personnel de nos jours. Ah, ça c'est vrai. Les gens d'en bas ne se rendent plus compte de leurs responsabilités. Saleté de pauvre. On ne peut plus compter sur personne, hein? Je suppose que vous êtes socialiste? Pas vraiment. En fait, la politique ne m'intéresse pas vraiment. Je vis à l'étranger. Êtes-vous en Angleterre pour longtemps? Non. Il faut voir. J'ai quelques affaires à régler. Après, je rentrerai chez moi. En France?
Non. En Italie? Non. This can't be love. Pouvez-vous baisser cette musique? Il est très difficile d'écrire avec ce bazar. No sorrows, no sorrows. C'est mon morceau préféré. Quoi? Va parler plus fort. Il y a une table parfaite dans la bibliothèque pour écrire. Je sais, mais il fait bien plus chaud ici. Et oui, ça, c'est sûr, bien plus chaud. My heart does not stand still. Just hear it beat. This is too sweet to be loved. Salut! Oh, cette bonne femme me suit partout, c'est pas possible! Les rares façons de me regarder, elle me fait peur! Oui, mais c'est le son! Ça va comme ça? Un peu plus! Un peu plus! Et comme ça, ça va? Voilà! Comme ça, c'est parfait! Mission accomplie! Quelle mission? Ma tactique a fonctionné. Vous voulez parler de la vieille pique? Elle avait le meilleur fauteuil. Maintenant, c'est moi qui l'ai. Oh! Vous l'avez viré! Tant mieux! Je ne l'aime absolument pas! Vous avez la pensive? Normal, je pensais. Et vous pensiez à quoi? À de la glace dans une bassine, à des engelures, à de la chair à vif et ensanglantée, à une toute petite couverture miteuse en loque, à un enfant frissonnant de froid et de peur. Mais c'est tellement lugubre, qu'est-ce que c'est? Un roman. Vous êtes écrivain. Désolée de vous décevoir, mais non. Allô? Allô? Oui, vous êtes bien au manoir de Monkswell? Maison d'hôte, c'est ça? Comment? Ah non, je regrette, monsieur Ralston est occupé, il ne peut pas venir au téléphone. Mais je suis madame Ralston. Qui est à l'appareil? La police. Mais, commissaire, ce n'est pas possible, il n'y arrivera jamais. Nous sommes sous la neige ici. Toutes les routes sont coupées. Ah bah non. Personne ne peut passer. Oui, très bien. Mais que... Allô? Allô? Molly, tu sais si on a notre peine? Gilles, la police vient d'appeler. Des ennuis avec la police. Ils disent qu'ils envoient un inspecteur ou un sergent ou un truc comme ça. Mais il ne pourra jamais venir jusqu'ici. Ben, c'est ce que je leur ai dit. Oui, mais ils sont stupides, ces flics. Même une jeep ne passerait pas. Ils veulent quoi? C'est ce que je leur ai demandé, mais ils n'ont pas voulu me dire. Ils m'ont seulement dit que l'inspecteur... Trotteur, je crois, allait nous expliquer en arrivant et qu'il fallait qu'on suive ses instructions à la lettre. Mais c'est dingue! Mais on n'a rien fait, nous. Ben, je réfléchis. Non, je vois pas. On a bien payé la redevance pour la radio, hein? Mais oui, la facture est dans le buffet de la cuisine. Ça a sûrement un rapport avec nos chambres d'hôtes. Il y a tellement de règles et de normes, on a dû oublier de faire une demande quelconque. C'est obligé. C'est bien simple. C'est devenu pire qu'en France. N'exagère pas quand même. Oh, chérie, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans. Ah!
Vous êtes là, monsieur Ralston. Savez-vous que le radiateur de la bibliothèque est pratiquement froid? Pardon, madame Boy. Je paye 7 livres par semaine. 7 livres! Et je ne veux pas geler. Je vais m'en occuper, madame Boy. Prenez-nous dans les bras, pendant que le loup y est. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Madame Ralston, permettez-moi de vous dire que vous avez un jeune pensionnaire très bizarre. Je ne sais pas où il a été élevé, celui-là, mais alors franchement, et je ne parle pas de ses cravates. Et depuis quand ses cheveux n'ont-ils pas croisé un peigne? Non, mais franchement, monsieur Brenn est un architecte très brillant. Oui, je ferais quelques recherches si j'étais à votre place. Que savez-vous de lui au juste? Autant penser sur vous, madame Boyle. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que vous payez tous les deux 7 livres par semaine. Et peu importe si j'aime mes hôtes ou si je ne les aime pas. Vous êtes jeune et vous n'avez aucune expérience. Permettez-moi de vous dire, ma chère, que vous feriez bien de suivre les conseils de quelqu'un de plus avisé que vous. Et l'autre Rastaquaire, là. Monsieur Paravicini? Oui. Vous ne l'attendiez pas, je crois. En effet, je ne l'attendais pas. Mais refuser un client est puni par la loi. Vous devriez le savoir, madame Boyle. Et comment le saurais-je? Il me semble que vous avez été magistrate. Juge, c'est ça? Tout ce que je veux dire, c'est que ce para-machin, là... Paravicini. C'est vous qui dites. Enfin, moi, il me semble que si j'étais... Attention, chère madame. Quand on parle du loup, il montre sa queue comme on dit de par chez nous. Vous n'avez pas remonté. Normal. Je suis venu sur pointe des pieds. Comme ceci. Personne ne m'entend s'il ne va pas vouloir qu'on m'entende. Très amusant, non? Si vous le dites, moi je vais finir mon courrier dans la bibliothèque. Peut-être fait-il plus chaud maintenant. Charmante hôtesse a l'air contrariée. Pourquoi, chère petite madame? Tout est compliqué ce matin, à cause de la neige. Oui, neige complique les choses. Et parfois, neige simplifie les choses. Simplifie beaucoup. Je ne sais pas. Non, beaucoup de choses vous pas savoir. Par exemple, vous pas savoir tenir mes hôtes. C'est vrai, nous ne savons pas. Je viens d'hériter cette maison de ma tante. Nous venons d'ouvrir, nous apprenons, mais nous avons bien l'intention d'y arriver. Bravo, bravo! Et puis, je ne suis pas si mauvaise cuisinière. Vous, être charmante cuisinière. Je peux donner petit conseil, madame Ralston. Vous et votre mari, pas faire confiance. Vous avoir référence de vos pensionnaires? Ah bon, il faut prendre des références. Préférable connaître les gens qui dorment sous votre toit. Moi, par exemple, j'arrive, je dis, voiture bloquée dans la neige. Que savez-vous de moi? Rien du tout. Peut-être je suis voleur. Peut-être je suis bandite. Peut-être je suis fugitif. Poursuivi par la police. Peut-être je suis fou. Vous meurtriez. Vous voyez, peut-être pareil pour autre pensionnaire. Eh bien, en ce qui concerne madame Boyle, je peux vous dire... Il fait beaucoup trop froid dans cette bibliothèque pour y rester assise. Je vais écrire mon courrier ici. Je vais ranimer feu pour vous. Madame Ratton, est-ce que votre mari est dans le coin? J'ai l'impression que les tuyaux des toilettes du bas sont gelés. Mon Dieu, mais quelle journée! D'abord, la police. Et maintenant, les toilettes. La police? Vous avez dit la police? Ils viennent d'appeler. Ils disent qu'ils envoient un inspecteur, mais
Je ne vois pas comment il pourra arriver jusqu'ici avec toute cette neige. Il va faire plus chaud maintenant. La chaudière est à fond. Qu'est-ce qu'il y a? La police arrive. Vous savez pourquoi? Oh, ce n'est rien. Et puis, personne ne peut passer. Il y a au moins 1,50 m de neige. Les routes sont bloquées. On n'est pas prêt de la voir. Vous êtes monsieur Rastal, monsieur? Oui. Bonjour, monsieur. Je suis inspecteur Trotter. Faites le tour par là, vers la porte d'entrée. Je vous y retrouve. Merci, monsieur. J'enlève mes skis et j'arrive. Mais ben, c'est pour ça qu'on paye la police de nos jours. Pour qu'ils fassent des sports d'hiver. Pourquoi avoir appelé police, madame Ralston? Mais je n'ai appelé personne. J'ai vu un homme passer devant la fenêtre du bureau. Il faisait du ski. Il était couvert de neige. Il avait l'air très content de lui. Vous savez qui c'est? Eh bien, croyez-le ou pas, mais c'est un policier. Un policier skieur. Je vous présente l'inspecteur Trotter. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va parfaitement bien, merci. Quoi? Mais enfin, vous ne pouvez pas être inspecteur. Vous êtes beaucoup trop jeune. Je ne suis pas aussi jeune que j'en ai l'air, dame. Venez, nous allons ranger vos skis sous l'escalier. Excusez-moi, madame Watson. Puis-je utiliser votre téléphone? Bien sûr, major. Oh, il est très séduisant, non? J'ai toujours trouvé les policiers très séduisants. Pas de cervelle, ça se voit au premier coup d'œil. Allô? 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 Madame Watson, le téléphone ne marche pas, la ligne est coupée. Comment ça, le téléphone marchait il y a encore une demi-heure? Mais le poids de la neige a certainement arraché les fils. On est complètement coupé du monde maintenant, on n'est pas isolé! Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans! Moi non plus! Oh, mais ça va, ça va! C'est pas si grave! Oh, mais ne soyez pas si sérieux! Chut, Hercule Poirot revient! Bon, maintenant au boulot! Monsieur et Madame Rastal, vous voulez nous voir seuls? Nous pouvons aller dans la bibliothèque. Non, ça ne sera pas nécessaire. Nous allons gagner du temps si tout le monde est là. Qu'avons-nous fait? Fait? Ah non, non. Vous n'avez rien fait, madame. Je suis plutôt là pour vous protéger. Pour nous protéger? Est-ce que vous avez entendu parler de la mort de Madame Lyon? Madame Boring Lyon, demeurant 24 Cobra Street à Londres. Elle a été assassinée hier, le 15. Vous avez entendu parler de cette affaire? Je l'ai entendu à la radio, la femme étranglée? Exactement, madame. Je voudrais savoir si vous connaissez cette Madame Lyon. Jamais entendu parler. Peut-être la connaissez-vous sous un autre nom. Madame Lyon était un pseudonyme. Son vrai nom était Maureen Stenning. Son mari était fermier, John Stenning. Ils habitaient la ferme de Longbridge, juste à côté d'ici. La ferme de Longbridge? C'est là où il y a eu cette affaire avec les gosses. Exactement, monsieur. L'affaire de la ferme de Longbridge. Trois enfants. Parfaitement, mademoiselle. Trois enfants. Les Corrigan. Deux garçons et une fille. Ils ont été placés en famille d'accueil chez monsieur et madame Stenning à la ferme de Longbridge. L'un des gamins est décédé suite à des mauvais traitements. L'affaire a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était horrible. Les Stenning ont été condamnés à des peines de prison. Monsieur Stenning est mort en détention. Mais sa femme a fait son temps et elle a été libérée. Et comme je vous le disais, elle a été retrouvée hier, étranglée, au 24, Cobra Street. Qui a fait cela? J'y viens, madame. Un carnet a été retrouvé près de la scène de crime. Deux adresses y étaient notées. L'une était le 24 Cobra Street. Et l'autre,
le manoir de Monsouet. Quoi? Oui, monsieur. Du coup, quand le commissaire a eu l'info de Scotland Yard, il s'est dit qu'il fallait absolument envoyer quelqu'un ici pour découvrir le lien entre la ferme de Longbridge et votre bicoque. Ou avec les gens qui y logent. Mais il n'y a aucun lien. C'est sûrement une coïncidence. Le commissaire ne croit pas en coïncidence, monsieur. Moi non plus. D'ailleurs, il serait bien de lui-même, mais il ne sait pas ce qui est. Et avec cette neige, je prendrai toutes les mesures que je jugerai nécessaires pour assurer la sécurité de cette maison et de ses habitants. La sécurité? Vous pensez qu'on est en danger? Bon sang, mais vous ne pensez tout de même pas que quelqu'un va être assassiné ici? Je ne veux pas effrayer les dames, monsieur. Et enfin, c'est quasiment certain. Mais c'est dingue! Je ne vois pas ce qu'il y a de dangereux. Vous nous cachez quelque chose, inspecteur. Vous m'avez percé à jour, madame. Sur le carnet, sous les deux adresses, il avait écrit « Trois petits cochons ». Et sur le cadavre, on a retrouvé un papier sur lequel le meurtrier a écrit « Voilà le premier ». Et en dessous, un dessin de trois petits cochons avec une partition et des notes de musique. C'était la musique de la comptine des trois petits cochons. Vous connaissez? Ça fait qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Il va croquer pour de bon les trois petits cochons. Mais c'est affreux. Il y avait trois enfants et l'un est mort, c'est ça? Oui, monsieur. Le plus jeune, un garçon de 11 ans. Et les deux autres? La fille était adoptée, c'était la plus âgée. On n'a pas retrouvé sa trace. Et l'autre garçon, le cadet, devrait avoir à peine une trentaine d'années aujourd'hui. Il a déserté pendant son service militaire. Et on n'a plus entendu parler de lui. Selon le psychologue de l'armée, il était schizophrène. C'est-à-dire un peu bizarre dans sa tête. Et vous pensez que c'est lui qui a tué Madame Layette? Enfin, Madame Steny? C'est possible, madame. Et qu'il va essayer de tuer quelqu'un d'autre ici? Mais pourquoi? C'est ce que je dois trouver. Le commissaire pense qu'il y a un lien. Vous avez dit, monsieur, que vous n'aviez aucun rapport avec l'affaire de la ferme de Longbridge. Non? Et c'est pareil pour vous, dame? Non. Enfin, je... Non, je n'ai aucun rapport. Et les domestiques? Ah! Vous avez vu des domestiques, vous? Nous n'avons pas de personnel. Cela me fait penser que c'est du travail en cuisine. Puis j'ai l'inspecteur, je serai si vous avez besoin. Pas de problème, dame. Maintenant, puis-je avoir vos noms, s'il vous plaît? Non, mais c'est parfaitement ridicule! Nous sommes simplement clients dans ce... dans cet endroit. Nous sommes arrivés hier. Nous n'avons absolument rien à voir avec la ferme de Longbridge ou le manoir de Monkswell. Rien. Oui, mais vous avez réservé vos chambres à l'avance. Ça fait un moment que vous savez que vous allez venir ici. Effectivement. Enfin. Sauf monsieur... monsieur... Paravicini, monsieur Paravicini. Ma voiture bloquée dans la neige, commandant. Je vois, monsieur, mais je suis inspecteur, pas commandant. Ah, d'accord. Bon, à part vous, quelqu'un pouvait savoir que vous veniez ici et pourrait vous avoir suivi. Mais il y a une chose que je veux savoir, et que je veux savoir tout de suite. Lequel d'entre vous a un rapport avec ce qui s'est passé à la ferme de Longbridge? Vous n'êtes pas très malin. Vous savez, l'un d'entre vous est en danger. En danger de mort. Et si je veux pouvoir le protéger, je dois savoir qui c'est. Très bien. Eh bien, je vous interroge à part. On va commencer par vous, puisque vous êtes là par hasard, monsieur Paris... Paravicini. Mais mon cher capitaine, moi pas savoir, je connais rien, absolument rien. Je suis inspecteur, monsieur, pas capitaine. En tout cas, je sais rien. Je veux pas connaître les histoires de ferme. Je suis étrange dans ce pays. Étrange, monsieur. Étrangère, vouloir dire. Mmh.
Madame. Boyle, Madame Boyle. Je n'ai absolument rien à voir avec toute cette malheureuse histoire. Je cherche, mais je ne vois pas. Tout ceci est ridicule. Mademoiselle. Caswell. Leslie Caswell. Jamais entendu parler de Longbridge. Je ne suis au courant de rien. Et vous, monsieur? Major Metcalf. J'ai lu, effectivement, cette affaire dans les journaux qui parlaient à l'époque, quoi. Mais j'étais basé à Edimbourg. Non, ça ne me dit absolument rien. Et vous? Christopher Wren. Je n'étais qu'un enfant à l'époque, je n'en ai jamais entendu parler. Et c'est tout ce que vous avez à me dire. Si l'un d'entre vous est assassiné, il ne viendra pas se plaindre. En même temps, ce sera trop tard. Je vous demande pardon. Pour se plaindre, ce sera trop tard, il sera mort. Ne faites pas mal, monsieur. Maintenant, monsieur Raston, je vous dois faire le tour de la maison. Suivez-moi. Oh, il est très séduisant, non? Oh, j'adore les policiers, si durs, si forts. Et vous avez vu comment il m'a parlé? Oh, ne faites pas le malin, monsieur. Oh, et mais c'est très excitant. Et c'est trop des cochons. Alors qu'un seul, parfois, suffit. C'est comment l'air, déjà? Ah! Arrêtez, monsieur Frère! C'est une bête de très mauvais goût. D'ailleurs, ce n'est pas une bête du tout. Oh, mais si, c'est une blague d'un fou. Qu'est-ce qui a rendu délicieusement macabre? Oh, vous devriez voir votre tête! Il va les croquer pour deux bons, les trois petits cochons! Voilà, un jeune homme très mal élevé et complètement fou! Où est Gilles? Il fait tour propriétaire avec inspecteur. Votre ami l'architecte s'est conduit d'une façon tout à fait scandaleuse! Il est jeune, un vipotre. Je déteste les jeunes! Est-ce que je suis jeune, moi? Effectivement. Est-ce peut-être aussi bien pour vous, Madame Boyle? Que voulez-vous dire? Je veux dire par là que vous aussi, vous avez été jeune. D'ailleurs, n'étiez-vous pas juge quand vous étiez plus jeune? Et je crois bien que c'est vous qui avez envoyé les enfants d'un ferme de Longbridge. Comment vous savoir? Vous avoir dit être à Edimbourg à ce moment-là. Moi avoir dit comme moi avoir lu journaux qui parlaient affaires. Allez. Alors, c'est bien vous qui étiez responsable de leur placement, non? Responsable, Major Metcalf? C'est facile de juger sans savoir. Nous avions des rapports des services sociaux. Les gens de la ferme avaient l'air très bien. Ils avaient hâte d'avoir les enfants. Tout était parfait. Du lait frais, des œufs et une vie au grand air. Des coups, la famine et un couple totalement vicieux. Mais comment pouvais-je deviner? Ils avaient l'air si polis. Mais oui, j'avais raison. C'était bien vous. On essaye de rendre les jugements les plus justes possibles. Et à l'arrivée, on fait cracher dessus. Je m'excuse, mais je trouve situation très amusante. Moi, rire beaucoup dans votre pays. Anglais, si drôle. Je n'ai jamais aimé cet homme. Il vient d'où? Je ne sais pas, il vient d'ailleurs, en tout cas. On va manquer de foie. J'y vais. Il fait presque nuit et pourtant il n'est que 4 heures. Voilà, c'est mieux. Thank you.
mon sac, moi. Je crois que je vais retourner dans la bibliothèque. Je trouve cet air horrible. Ah bon, pourquoi? Ça vous rappelle votre enfance? Une enfance malheureuse, peut-être? Non, pas du tout, j'étais très heureuse. Vous avez de la chance. Pas vous? Non. Désolée. Bon, tout va bien à l'étage. La salle à manger. Et la salle à manger communique avec la cuisine. Qu'y a-t-il ici? Le bureau. Un bureau. Et le bureau communique avec la bibliothèque. Pouvez-vous fermer cette satanée porte? Cette pièce est pleine de courant d'air. Pardon, dame, mais je dois comprendre les circulations de la béton. C'est bon, j'ai fait le tour. Rien de suspect. Je vais faire mon rapport au commissaire. Ah, vous n'allez pas pouvoir téléphoner, la ligne est coupée. Quoi? Avant, ça marchait, non? Oui, mais le major Metcalf a essayé juste après être arrivé. Mais, je comprends pas, avant, ça marchait, le commissaire osait m'a téléphoné. Oui, mais entre-temps, la ligne a dû être coupée à cause de la neige. Pas sûr! Elle a pu être coupée par quelqu'un! Mais, même si cet assassin veut venir ici pour tuer quelqu'un d'autre, nous sommes en sécurité maintenant. Personne ne peut arriver ici jusqu'à ce que la neige tombe. Sauf s'il est déjà là. Mais c'est dingue! C'est dingue! Vous avez un signalement de l'assassin? Taille moyenne, corpulence indéterminée, menton sombre, chapeau, le visage dissimulé sous une écharpe claire. Il y a 7 manteaux sombres sur le porte-manteau de l'entrée actuellement. Là est le vôtre, monsieur Aston. Et il y a 7 chapeaux aussi. Je n'arrive pas à y croire. Vous voyez, c'est cette ligne téléphonique qui m'inquiète. Parce que si elle a été coupée... Bon, il faut que j'aille m'occuper du repas. Vous avez un autre appareil? Excusez-moi, vous m'avez parlé? Oui, monsieur. Je vous demandais si vous avez un autre poste de téléphone. Oui, en haut, dans notre chambre. Allez voir s'il fonctionne. De la peur. Il faut d'abord étudier l'effet précis produit sur l'esprit humain. Imaginez par exemple que vous soyez seul dans une pièce. C'est l'hiver et la nuit est tombée. Dehors, tout est calme et silencieux. La campagne s'est endormie. On entend juste le léger souffle du vent dans les sapins. Quand soudain, le vent se lève, faisant claquer quelque part une fenêtre. Puis, une porte s'ouvre doucement derrière vous. Oh, my God.
n'arrive pas à trouver un programme intéressant. Mais pourquoi avez-vous éteint? Il a éteint la lumière. Réfléchissez bien, concentrez-vous. Madame Bogue venait juste d'être assassinée quand vous êtes arrivée. Vous veniez du hall. Vous êtes sûr de n'avoir vu personne, ni rien entendu en arrivant? Je crois enfin. Je ne suis pas sûre, mais j'ai peut-être entendu une porte grincer ou se fermer juste quand je suis sortie du hall. Quelle porte? Je ne peux pas vous dire. Réfléchissez, madame, c'est très important. En haut, en bas, de ce côté-là, de celui-là. Mais je ne sais pas, je vous dis. Je ne suis même pas sûre d'avoir entendu quelque chose. Ça va. Arrêtez de la harceler maintenant. Vous ne voyez pas qu'elle est à bout? J'enquête sur un meurtre, monsieur. Jusqu'à présent, personne n'a vraiment pris cette affaire au sérieux. À commencer par madame Boyle. Elle m'a caché des choses. Vous m'avez tous caché des choses. Et maintenant, madame Bogue est morte. Si vous ne mettez pas carte sur table et rapidement, il y aura un autre mort. C'est ça que vous voulez? Un autre mort? Mais c'est absurde. Pourquoi? Parce qu'il y a trois petits cochons. Un mort pour chaque cochon? Ah, vous êtes mathématicien, lieutenant. Je suis inspecteur, monsieur, pas lieutenant. Un autre mort, mais n'importe quoi. Il faudrait déjà qu'il y ait une relation quelconque. Je veux dire, une autre relation avec l'affaire de Longbridge. Et vous en doutez, monsieur. Mais vous pouvoir protéger nous, quand même. Avec arme à feu, peut-être. Ici, on est en Angleterre, monsieur. Les policiers ne sont pas armés. C'est bon à savoir, commissaire. Je suis inspecteur, monsieur, pas commissaire. Oh, est-ce qu'on est obligé de laisser madame Boyle ici? C'est vrai, inspecteur. Je sais qu'on n'est pas supposé déplacer le corps, mais on va pas rester là avec un cadavre dans la pièce. Vous avez raison. On va la mettre dans la neige. Oh! Ça va. Le froid, ça conserve. Et j'aurais besoin d'aide. Oh mon Dieu! Pas grave. Elle, avoir tête dure. C'est dommage. C'est quand elle était vivante qu'on aurait dû lui cogner la tête. Messieurs, un peu de respect pour les morts. Bon, maintenant, je veux savoir où chacun d'entre vous se trouvait quand madame Boyle a été tuée. J'ai déjà la déclaration de madame Raston. Je préparais à manger dans la cuisine. La radio hurlait, les lumières étaient éteintes. Vous sortiez de la cuisine, vous allumâtes la lumière, vous vîtes madame Boyle et vous criâtes. Bon, je veux dire par là que vous êtes sorti de la cuisine, vous avez allumé la lumière, vous avez vu madame Boyle et vous avez crié. Oui, c'est ça. J'ai crié et là, vous arrivâtes. Oui, je suis arrivé à ce moment-là. Et tout le monde est arrivé juste après moi, venant un peu partout, en arrivant plus ou moins vite. Bon, quand je suis sorti par cette fenêtre pour suivre le fil du téléphone, vous, monsieur Raston, vous êtes monté dans votre chambre pour voir si l'autre téléphone fonctionnait. Vous étiez où quand madame Raston a crié?
J'étais encore en haut dans ma chambre. L'autre téléphone ne marchait pas non plus. Alors j'ai ouvert la fenêtre pour suivre le fil et voir s'il n'était pas coupé quelque part. Mais je n'ai rien vu. Au moment où je refermais la fenêtre, j'ai entendu Molly crier et je me suis précipité en bas. Toutes ces actions simples vous ont pris pas mal de temps, dirait monsieur. Pas spécialement. Moi, je dirais que vous avez pris votre temps. Ben, je réfléchissais à des choses dans ma tête. Oui, c'est souvent dans sa tête qu'on réfléchit, monsieur. Maintenant, monsieur Drain, dites-moi où vous étiez. J'étais dans la cuisine, j'aidais madame Raston. J'adore cuisiner. Après, je suis monté dans ma chambre. J'ai un lit à baldaquin, vous savez. Pourquoi? Pourquoi j'ai un lit à baldaquin? Parce que j'aime bien, ça fait princesse. Non! Pourquoi êtes-vous monté dans votre chambre? Il n'y a rien d'extraordinaire d'aller dans sa chambre, vous savez. Parfois, on a envie d'être seul. Donc, vous êtes monté dans votre chambre parce que vous avez envie d'être seul. Et je voulais me coiffer et faire un peu de toilette. Vous vouliez vous coiffer? On dirait bien que quelque chose vous en a empêché. En tout cas, j'étais dans ma chambre. Et vous avez entendu Madame Raston crier, monsieur? Oui. Et vous êtes descendu? Oui. C'est curieux que vous n'ayez pas rencontré Monsieur Raston dans l'escalier. Je suis descendu par l'escalier de service, il est juste à côté de ma chambre. Et pour monter dans votre chambre, vous avez aussi pris l'escalier de service ou bien celui-là? Par l'escalier de service, pourquoi? Pour rien. Monsieur Paravicini. Je jouais piano d'un bureau. Par là, sergent. Monsieur inspecteur, monsieur, pas sergent. Est-ce que quelqu'un l'a entendu jouer du piano? Sûrement pas. Je jouais très très doucement, debout devant le piano, avec un doigt. Vous jouiez l'air de trois petits cochons. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Trois petits cochons, musique, très très dans tête. Je trouve cet air horrible. C'est vrai aussi, horrible. Mais qui reste dans tête, hein? Pas que moi d'ailleurs. Quelqu'un d'autre le sifflotait aussi. Le sifflotait? Ici, dans cette pièce? Pas sûr. Peut-être dans le hall d'entrée. Ou peut-être dans l'escalier. Ou peut-être en haut, dans la chambre. Qui sait? Qui sifflait les trois petits cochons? Vous êtes en train d'inventer, monsieur? Non, colonel, moi promets. Qui craint le grand méchant loup? Loulou, loulou, loulou. Pourquoi moi inventer, colonel? Je suis inspecteur, monsieur, pas colonel. Ah, d'accord. Bon, continuez, monsieur. Donc, vous étiez en train de jouer du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, c'est plus simple jouer avec un seul doigt. Et puis j'ai entendu radio, très fort. Quelqu'un parle, très fort. Et puis Madame Ralston crie, très fort. Monsieur Raston, en haut. Monsieur Vren, en haut. Monsieur Paravicini, dans le bureau. Mlle Caswell. J'écrivais une lettre dans la bibliothèque. Vous avez entendu ce qui se passait ici? Non, à part le cri de Madame Raston. Et vous avez fait quoi? Je suis venue ici. Tout de suite? Oui, je crois. Que je comprenne bien. Vous dites que vous étiez en train d'écrire une lettre quand vous avez entendu Madame Raston crier. Oui. Et que vous vous êtes levé immédiatement après le cri pour venir ici. Oui. Pourtant, il me semble bien ne pas avoir vu
de lettres inachevées sur le bureau de la bibliothèque. Je l'ai prise. Ma très chère Jessie, une amie à vous, une parente peut-être? Cela ne vous regarde absolument pas. Peut-être pas, non. Mais ma femme me dit toujours que je ne termine jamais ce que je commence quand il y a autre chose de plus important à faire. Vous comprenez? Si j'entends crier au meurtre pendant que j'écris une lettre, eh bien, je ne prends pas le temps de prendre la lettre, de la plier et de la glisser dans mon sac à main avant d'aller voir ce qui se passe. Ah bon? Vous avez un sac à main, je vais le faire. C'est une image, monsieur. Ah bon? En tout cas, je ne prendrai pas tant qu'à ça. Comme c'est très intéressant. Bien. Major Melcalf, et vous? J'étais à la cave. À la cave. En me promenant dans la maison, je suis tombé sur un placard. Derrière l'escalier de service, près de la cuisine. J'avais là tout un tas de vieilles choses, des affaires de sport, tout un bric-à-brac. Et au milieu de ce bazar, il y avait une porte. Je l'ai ouverte. Et là, j'ai découvert un escalier qui descendait à la cave. Je suis curieux. Je suis descendu. C'est une bien belle cave que vous avez là. Je suis bien content qu'elle vous plaise. À mon avis, c'est la crypte d'un ancien monastère. C'est pour ça que la maison s'appelle Montoile, le puits des moines. Bon, on n'est pas en train de faire des fouilles archéologiques, Jean Metcalf. On enquête sur un meurtre. Madame Raston dit avoir entendu une porte se refermer avec un petit grincement. Justement, la porte du placard sur l'escalier grince. Peut-être qu'après avoir tué Madame Bogg, le meurtrier aurait entendu Madame Raston venir de la cuisine et se serait glissé dans le placard en fermant la porte derrière lui. Cela fait beaucoup de suppositions, non? Et si c'est le cas, il y aurait des empreintes digitales à l'intérieur du placard. Ah, les miennes y sont, c'est sûr. Mais ne dit-on pas que les criminels portent des gants maintenant? Souvent, oui. Mais ils font tous une erreur un jour ou l'autre. Vous croyez, mon général? Peut-être certains criminels très très intelligents. Je suis inspecteur, monsieur, pas général. Écoutez, nous perdons du temps, il y a un meurtre. S'il vous plaît, monsieur Raston, c'est moi qui mène l'enquête. Ok, très bien. Si c'est comme ça. Monsieur Raston! Merci, monsieur. Nous devons déterminer l'opportunité et le mobile. Et laissez-moi vous le dire, vous avez tous eu l'opportunité. Le fait crucial est que chacun d'entre vous était seul au moment du meurtre. Mais enfin, inspecteur, vous parlez comme si nous étions tous suspects. Mais c'est absurde. Mais vous êtes tous suspects, monsieur. Mais arrêtez un peu. Vous savez très bien qui a tué cette femme à Culver Street. C'est l'aîné des enfants de la ferme. Un jeune homme mentalement dérangé qui a aujourd'hui une trentaine d'années. Eh bien, il n'y a qu'une personne ici qui réponde à ce signalement. C'est lui! Mais ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! Vous êtes tous contre moi! Tout le monde a toujours été contre moi! Vous voulez me faire planter le chapeau pour le meurtre! C'est de la persécution! C'est de la persécution! Du calme, mon garçon, du calme, du calme! Tout va bien, Christopher. Personne n'est contre nous. Dites-lui que vous n'allez pas l'arrêter. Mais je ne vais arrêter personne. Pour cela, il faut des preuves. Et j'ai aucune preuve. Enfin, pas encore. Non, mais ça va pas, Molly. Tu es folle. Bien sûr, c'est lui. Inspecteur, pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Vous attendez qu'il étrangle un cochon? Il attend. Attends. Inspecteur Trotter, puis-je vous parler une minute? Mais certainement, madame Braston. Voulez-vous tous sortir, s'il vous plaît? Mais enfin, mon adjudant, on commençait à peine à s'amuser tous ensemble. Ça commence à bien faire, monsieur. Je suis inspecteur et pas adjudant.
moi, pas pouvoir savoir. Ça va. Pas monter sur grands chevaux. Inspecteur. Tous dans le bureau, s'il vous plaît. Je reste. Non, Gilles. Toi aussi, s'il te plaît. Je reste. Qu'est-ce qui te prend, Molly? S'il te plaît. Je vous écoute, Madame Braston. Qu'avez-vous à me dire? Inspecteur Trotter, d'après vous, ce tueur est le cadet des trois enfants de la ferme, c'est ça? En fait, on n'en sait rien du tout. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que la femme responsable des mauvais traitements a été tuée. Que la juge qui a placé ses gosses dans cette ferme a été tuée. Et que la ligne téléphonique qui me relie au commissariat a été coupée. Mais même ça, on n'en est pas très sûr. Après tout, ça peut être la neige. Non, Madame Braston, la ligne a été délibérément coupée. Juste devant la porte d'entrée, j'ai trouvé l'endroit. Je vois. Asseyez-vous, Madame Braston. Oui, je sais. Tout semble désigner Christopher. Mais je ne crois pas que ce soit lui. Il y a certainement d'autres pistes. Ah bon? Lesquelles? Eh bien... Ses enfants, ils n'ont pas de parents. La mère était alcoolique. Elle est morte peu après qu'on lui a retiré les gosses. Et le père? Le père était sergent dans l'armée, quelque part à l'étranger. S'il est encore en vie, il est probablement à la retraite. Donc le tueur peut avoir un certain âge. Lorsque j'ai dit que la police a appelé, le major Metcalf a réagi étrangement. Il a été troublé, je l'ai vu sur son visage. Le major Metcalf? Il a l'âge d'avoir un enfant de 30 ans. Bon, je sais, il est très gentil et il a l'air tout à fait normal. Mais la police peut ne pas se voir, non? C'est vrai, souvent, ça ne se voit pas. Et puis... il y a Monsieur Paravicini aussi. Il a laissé tomber le tisonnier quand j'ai dit que la police avait appelé. Monsieur Paravicini? Oui, lui aussi pour avoir un enfant de 30 ans. Bon, je sais, il est étranger. Mais rien ne dit que le père des enfants n'était pas étranger. Ou alors, il a vécu longtemps à l'étranger et il a pris l'accent. Vous tenez vraiment à ce que ce ne soit pas le jeune de Sévren, on dirait une dame. Il a l'air tellement désarmé et si malheureux. Vous savez, Madame Raston, j'envisage toutes les possibilités. Ok, c'est peut-être le fils aîné. Ou le père. Mais l'enfant décédé avait une sœur aussi. Vous vous souvenez? Pourquoi pas la sœur? La sœur? Une femme aurait pu tuer Madame Lyon. Vous savez, le chapeau bien enfoncé, l'écharpe bien remontée, emmitouflée dans un manteau, allez savoir qui se cache dessous. Ça peut être une femme. Mademoiselle Caswell? Elle a l'âge du rôle. Eh oui, Madame Braston, il y a un paquet de possibilités. Et il y a vous aussi. Moi? Vous aussi, vous pourriez être de la famille des gosses. Non, ça va être... Non. Quoi que vous me disiez, de toute façon, je ne peux pas le vérifier. Alors? Et puis, il y a votre mari aussi. Gilles, c'est ridicule. Que savez-vous exactement à propos de votre mari, Madame Braston? Ne soyez pas bête, nous sommes mariés. Ah oui? Et depuis combien de temps? Un an, tout juste un an. Et vous l'avez rencontré où exactement? Dans une soirée à Londres. Vous connaissez sa famille? Il n'a plus de famille, ils sont tous morts. Ils sont tous morts! C'est ballot! Mais vous déformez tout aussi! Et depuis combien de temps le connaissez-vous avant de l'épouser? Seulement 3 semaines, mais... Et vous ne savez rien de lui? Ce n'est pas vrai, je sais tout de lui. Je sais exactement qui il est. C'est Gilles. Et de toute façon, il n'était même pas à Londres au moment du meurtre. Ah oui? Il était où? Ici? Il était parti toute la journée au village faire des courses. Il cherchait du grillage pour le poulailler. Et il l'a trouvé? Non. Non, il n'y avait pas le modèle qu'il cherchait. On a quoi ici? 50 km de Londres? Une petite heure en train? Une grosse heure en voiture? Gilles n'était pas à Londres. Un instant, dame. C'est bien le manteau de votre mari? Oui.
tiens, tiens. L'Evening News. Le numéro d'hier, vendu vers 3h30 hier après-midi, dans les kiosques de Londres. C'est impossible. Impossible, vraiment. Molly. Oh, vous m'avez fait peur. Il est où? Qui? Mais l'inspecteur. Il est parti par là. Oh, si seulement je pouvais disparaître. Ils sont tous contre moi. Ils pensent tous que je suis le meurtrier. Surtout votre mari. Faites pas attention à lui. Bon, écoutez, Christopher. Faut arrêter de fuir. Pourquoi vous dites cela? Parce que vous fuyez. Vous fuyez qui vous êtes. Enfin, je veux dire, qui vous êtes. Vraiment. C'est vrai. Il faut grandir. Je n'ai pas vraiment envie, en fait. Vous ne vous appelez pas Christopher Wren? Non. Et vous n'êtes pas vraiment architecte? Non. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi je peux appeler Christopher Wren? Parce que ça m'amuse, c'est tout. C'est quoi votre vrai nom? Oh, on s'en fiche. Je ne veux plus l'entendre de toute façon. Déjà à l'école, on se moquait de moi à cause de ce que j'étais. Et à cause de mon nom, j'étais un garçon. J'étais censé jouer aux petites voitures et me battre. Mais je... Bon, ça suffit. Vous n'êtes plus à l'école maintenant. Il faut affronter les épreuves de la vie. Comme un homme, c'est ça? Comme tout le monde. C'est impossible. Bien sûr que c'est possible. Je l'ai bien fait, moi. Hein? La vie n'a pas été clémente avec vous non plus. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Qui vient que vous? À cause de Gilles? Non, c'était bien longtemps donc je rencontre Gilles. Vous aviez quel âge? J'étais jeune. C'est peut-être pour ça que c'était si affreux. J'essaye d'oublier, mais ça revient sans cesse. Oh, vous aussi, vous fuyez quelque chose? Oui. Vous avez raison. Je pourrais piquer les skis de l'inspecteur et me sauver! Je suis un très bon skieur, vous savez! Ce sera un aveu de culpabilité. C'est stupide. Mais de toute façon, l'inspecteur Proton pense déjà que je suis le meurtrier, alors? Non, je ne pense pas. Enfin, c'est difficile de savoir ce qu'il a dans la tête. Je déteste. Qui ça? L'inspecteur, il vous met de ses idées dans la tête. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est impossible. Impossible. On dirait Gérange. Non, on discutait, c'est tout. Bon, il faut que j'aille préparer le repas, il y a les brocolis, et puis le veau à la vente aussi. Je vais vous aider. Vous restez ici. Oh, Gilles. Les tête-à-tête sont dangereux par les temps qui courent. Alors vous ne mettez pas les pieds dans la cuisine, et vous restez loin de ma femme. Non, mais franchement. Laissez ma femme tranquille, Wren, c'est compris? Il est hors de question qu'elle soit la prochaine victime. Ah, vous voyez qu'il pense que c'est moi. Mais bien sûr que c'est vous. Christopher, laissez-nous. S'il vous plaît. Christopher, s'il vous plaît. Je suis juste à côté si vous avez besoin. Qu'est-ce qui te prend, Molly? Ça va pas? Tu veux t'enfermer dans la cuisine avec ce dingue? Il est tellement malheureux, Gilles. Il n'est pas dangereux. Et puis, de toute façon, je peux me défendre. Bien sûr, c'est ce que disait Madame Boyle. Arrête. Il y a quoi entre vous? Comment ça, entre nous? Il me fait de la peine, c'est tout. Tu le connais? Tu l'as déjà rencontré? Gilles, t'es devenu fou? Ça fait combien de temps que ça dure? Oh, t'es complètement ridicule, mon pauvre. Si ça se trouve, tu vas le retrouver régulièrement à Londres. Tu sais très bien que tu n'es pas allé à Londres depuis des semaines. Tu n'es pas allé à Londres depuis des semaines? Ah oui. Et ça, c'est quoi? C'est un des gants que tu portais hier. Tu l'as fait tomber. Je l'ai ramassé cet après-midi en parlant avec l'inspecteur Trotter. Et tu sais ce que j'ai trouvé dedans? Un ticket de bus. Un ticket de bus de Londres. Ah, ça. Oui, ça. Et tu oses me dire que tu es juste allé au village? Ça va. Pendant que je m'enquiquinais à chercher du grillage pour les poules. Pendant que tu t'enquiquinais à chercher du grillage.
Bon, ça suffit maintenant. Avoue que tu es allé à Londres. D'accord, je suis allé à Londres. Mais il n'y a pas que moi. Toi aussi tu y es allé. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu as même ramené le journal du soir. Ça l'est, c'est trop bien. Non. Mais je me prends pour une idiote. Tu vas me soutenir que tu n'étais pas à Londres. Bon, d'accord, j'étais à Londres. Et alors? Je n'ai jamais dit le contraire. Allons, allons, mes enfants. Pour calmer. Parole va plus loin que penser dans querelle d'amoureux. Querelle d'amoureux? C'est vous qui le dites. Je sais quoi vous pensez au fond de vous. Moi, pareil, quand j'étais jeune. Ah, jeunesse, jeunesse, comme dit le poète. Vous êtes marié depuis longtemps? Ça ne vous regarde pas, monsieur Parlicini. Vous avoir raison, pas mes affaires. Je venais juste pour dire, inspecteur, plus trouver ses skis. Inspecteur, très ennuyé. Christopher! Mais quoi encore, Christopher? Monsieur Raston, madame Raston, vous avez enlevé mes skis du placard, là où on les avait rangés? Pas du tout. Alors quelqu'un les a pris. Pourquoi vous cherchez skis, inspecteur? Vous partir? La neige est toujours là, et j'ai besoin d'aide ici, de renfort. Et j'allais aller à ski au commissariat de Markethampton, faire un rapport de la situation. Et maintenant, vous coincez ici? My God, my God! Quelqu'un empêche-vous de chercher secours? Ou raison différente, peut-être? Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'on m'aurait volé mes skis, monsieur? Quelqu'un s'enfuit avec. Mais pourquoi tu viens de parler de Christopher? Pour rien. Donc, jeune architecte envolé, c'est ça? Oh, très, très intéressant. C'est vrai, madame Raston? Vous avez pris mes skis, c'est vrai? Vos skis, inspecteur? Non, je n'ai pas pris vos skis. Monsieur Brain m'a dit qu'il était un excellent skieur. Je me suis dit qu'il avait pu les prendre pour aller faire un petit tour. Un petit tour? Maintenant, écoutez-moi bien, vous tous. C'est une affaire très sérieuse. Quelqu'un a volé mon seul moyen de communication avec l'extérieur. Je veux vous voir tous ici immédiatement. Je crois mademoiselle Caswell en haut dans la chambre. Je vais la chercher. Et major dans la salle à manger. Ah non, Major Medical, plus là. Je vais aller le chercher. Vous cherchez. C'est au sujet de mes skis, monsieur. De vos skis? Monsieur Medical. Monsieur, réponds. Est-ce que l'un d'entre vous a déplacé mes skis? Ils étaient dans le placard près de la porte de la cuisine. Ah non, pourquoi on aurait déplacé vos skis? Je n'y ai pas touché. Pourtant, ils ne sont plus là. Vous êtes entré dans ce placard aujourd'hui, n'est-ce pas, major? Affirmatif. Et les skis étaient-ils encore dans le placard à ce moment-là? Je ne m'en souviens pas. Eh bien, vous devriez vous en souvenir. Ah ben, inutile de me crier comme ça dessus, jeune homme. J'ai pas fait attention à vos skis, moi. C'est l'architecture de l'endroit qui m'intéresse. Alors, quand j'ai vu cet escalier, je suis descendu et je n'ai pas fait attention si vos skis étaient là encore. Maintenant, la question est, où sont-ils? Ça ne m'a pas été bien compliqué pour les retrouver, si on s'y met tous. C'est pas comme si on cherchait un dé à coudre. Alors, allons-y, cherchons. Pas si vite, major. C'est peut-être un piège. Quel piège? On a affaire à un fou. Il faut que je me demande ce qu'il faudrait qu'on fasse et ce qu'il ferait si on faisait ce qu'il veut qu'on fasse. Pour éviter de faire ce qu'il attend qu'on fasse, c'est qu'on n'a pas intérêt à faire. Faut que j'ai un peu d'avance. Pas compris. Faut que j'ai un peu d'avance. Vous plaisantez. Sinon, on aura encore un mort. Vous plaisantez. J'ai l'air de plaisanter, M. Caswell. Trois petits cochons. Deux petits cochons morts. Reste un cochon. Enfin, vous me comprenez. Vous êtes six ici. Et sur six, il y a un tueur. L'un d'entre vous est un tueur.
Je ne sais pas encore qui, mais je le saurai. Et l'un d'entre vous est la prochaine victime, le fameux petit cochon restant. Et en ce moment même, je ne sais pas qui est le petit cochon que je dois protéger. Ou la petite cochonne. Alors, si l'un d'entre vous a quelque chose à dire, si l'un d'entre vous a un rapport, si mince soit-il, avec cette vieille affaire, c'est vraiment le moment de parler. Très bien, j'en ai fini. En parlant de ce clout, chère madame, vous connaître foie de poulet sur toast avec bacon et moutarde, délicieux. Moi venir cuisine, avez-vous quoi préparer, manger? Passe-t-on charmant? C'est moi qui vais aider ma femme par avicilie. Votre mari a peur pour vous. C'est normal. Il croit moi sadique. Il croit moi tueur. Dadoudania. Je suis sûr que Gilles ne pense pas. Bien sûr que si, il pense. Et il a raison. Supposez que moi, je suis... La 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 la. Arrêtez! Petite chanson si joyeuse. Des paroles très tranquilles. Juste croquer petit cochon. Pas grave. Plus cruel si vous découpe que tire bouchon avec un couteau. Les enfants aiment beaucoup cruauté. Et certains adultes toujours restés enfants. Arrêtez d'effrayer ma femme, vous. Je suis stupide, excusez-moi. Mais vous comprenez, c'est moi qui ai trouvé Madame Boyle. Je n'arrive pas à oublier son visage tout violet. Moi, pardon. Chose difficile à oublier, bien sûr. Et vous, pas genre à oublier. Bon, je dois aller la cuisine, les brocolis, le veau, la menthe. Tu viens, Gilles. Ça vous amuse d'effrayer les dames, monsieur? Moi, inspecteur? Oh, seulement petite plaisanterie innocente pour détendre l'atmosphère. Il y a de bonnes plaisanteries et de moins bonnes. Plaisanterie toujours faite pour plaisanter. Je pose des questions à votre sujet, monsieur. Vraiment? Je m'interroge au sujet de votre voiture. Je me demande comment vous avez pu vous retrouver bloqué par la neige si... opportunément. Inopportunément, vous vouloir dire, inspecteur. Ça dépend de la façon de voir les choses, monsieur. Au fait, vous alliez où? Oh, visite chez ami. Vous pouvez me donner le nom et l'adresse de cet ami, monsieur? Inspecteur, quelle importance. Moi, aucun rapport avec situation. Nous aimons toujours avoir des informations complètes, monsieur. Comment avez-vous dit cet ami s'appelait, déjà? Je ne l'ai pas dit, inspecteur. C'est vrai, vous ne l'avez pas dit, monsieur. Moi, avoir plusieurs raisons. Amour, discrétion, mari jaloux. Vous n'êtes pas un petit peu âgé pour courir les filles, monsieur? Pas âgé pour courir les filles. Apparemment. Et moi, toujours beau gosse. Si vous le dites, monsieur, d'où veniez-vous l'autre nuit? Très simple, Londres. Londres? Vous ne sauriez pas aller traîner du côté de Thomas Street par hasard? Voyons, inspecteur, moi pas du genre à étrangler vieille dame qui marche avec canne. Comment savez-vous que Madame Lyon marchait avec une canne? Quoi? Comment savez-vous que Madame Lyon marchait avec une canne? Moi supposé, inspecteur. Vieux marche toujours avec canne. Ah oui. Vous étiez où à Londres? Hôtel Rix. Et quelle est votre profession, monsieur? Je travaille sur le marché. Sur les marchés? Vous faites quoi? Vous vendez des fruits et des légumes? Non, non. Vous pas comprendre. Moi, travailler, marché de la bourse.
marché légumes. Trop drôle. Bon, c'est bon. Interrogatoire terminé. Pour le moment, oui. Merci beaucoup. Je vais aller chercher Ski dans le bureau. Peut-être quelqu'un l'est rangé dans le piano à queue. Ding, 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 prong. Un instant, s'il vous plaît. Quoi? Oui, vous. Voulez-vous venir vous asseoir un instant? Que voulez-vous savoir? Pour commencer, votre nom complet. Leslie Margaret Catherine Caswell. Catherine. Avec un K. Évidemment. Adresse? Villa Mariposa, Les Pandorés, Majorque. C'est en Italie? C'est une île espagnole. Je vois. Vous êtes arrivé quand en Angleterre, Zell? Il y a une semaine. Et depuis votre arrivée, vous avez logé où? Avant ici, je veux dire. À l'hôtel Lenbury, à Kensington. Et qu'est-ce qui vous a amené au manoir de Maxwell? Ma voiture. Je cherchais un endroit calme à la campagne. Calme? Eh bien, on peut dire que vous êtes bien tombé. Et combien de temps comptez-vous rester? Jusqu'à ce que je termine ce que je suis venu faire ici. Et c'était quoi? C'était quoi? Pardon. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pardon, je pensais à autre chose. Vous n'avez pas répondu à ma question, Mzel. Et je ne vois pas pourquoi je devrais. C'est une affaire privée. Écoutez-moi bien. Inutile d'insister. Vous êtes né à l'étranger, Mzel? Non, j'ai quitté l'Angleterre à 13 ans. Vous vous appelez Caswell à cette époque? Non, c'est mon nom maintenant. Quel est votre nom, Mzel? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je veux savoir quel était votre nom quand vous avez quitté l'Angleterre. C'était il y a longtemps, j'ai oublié. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. C'est possible. Le malheur, le désespoir. Sûrement. Et son nom, quel est votre vrai nom? Leslie Margaret Caswell. Je veux connaître votre nom, le vrai. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Mais je croyais que la police n'avait pas le droit de torturer les gens. Mais je ne fais que poser des questions à Zell Caswell. Oh, drôle de façon de le faire, hein. Ça va. Oui, oui, ça va. C'est juste que tous ces meurtres, c'est horrible. Ça m'est tombé dessus d'un coup. Oh, je monte dans ma chambre. Bon, eh bien, tout ça, c'est très utile. Ah, la police a enfin un indice. Oui, monsieur Vren, la police a enfin un indice. Je veux revoir tout le monde ici. Vous savez où ils sont? Monsieur Raston et Molly sont à la cuisine. J'ai aidé le major Maycap à chercher Boski sans succès, et j'ignore où est M. Paravicini. Je vais chercher. Allez chercher les autres. Monsieur Paravicini! Oui, inspecteur. Toujours pas trouvé Boski? C'est bête, hein? Quand on les trouvera, la neige aura fondu. Vous êtes pas-tu encore? Asseyez-vous, major. Madame Rostel. Il faut vraiment que je vienne parce que je m'occupe du repas. Oui, un truc à l'amant. J'ai compris, madame. Mais il y a des choses plus importantes que le dîner. Madame Bud, par exemple, s'en fiche qu'on lui prépare le dîner. Ah bah c'est très délicat, ça, vraiment. Désolé, major, mais on n'est plus à la délicatesse. Et j'ai besoin de tout le monde ici. Monsieur Raston, pouvez-vous aller chercher Mme Caswell? Elle est dans sa chambre. Dites-lui que ça ne sera pas long. Vous avez retrouvé votre client, inspecteur? Non, Mme Raston, mais je crois bien savoir qui les a pris et pourquoi. Mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. Vous avez raison. Ne dites rien. Faut garder suspense. Voilà, à la fin. Rebondissement avant fin spectacle. Tellement excitant. Ce n'est pas un jeu, monsieur. Que se passe-t-il? Asseyez-vous, Mme Caswell. Madame Raston. Après le meurtre de Madame Paul, j'ai noté toutes vos déclarations. Ces déclarations faisaient état de vos positions au moment du meurtre. Je n'ai aucun moyen de les vérifier. 5 d'entre vous disent la vérité et 1 d'entre vous ment.
Si je découvre qui ment, je trouve l'assassin. Pas nécessairement. Quelqu'un peut avoir menti pour une toute autre raison. J'en doute, Hamzel. Et j'ai un plan pour confondre le menteur. Quel plan? Eh bien, vous allez tous refaire vos déplacements comme au moment du meurtre. Ah oui! Ce vieux truc! Reconstitution crime! Oh, j'adore! Ce n'est pas une reconstitution de crime, monsieur. C'est une reconstitution du mouvement des personnes apparemment innocentes. Et vous pensez en tirer quoi? Vous me pardonnerez de ne pas vous le dire tout de suite, monsieur. Bon, eh bien, je retourne jouer piano. Avec un doigt. Pas si vite, monsieur Paravicini. Madame Rastan, vous savez jouer du piano? Oui. Et vous connaissez l'air des trois petits cochons? Tout le monde le connaît. Donc, vous pourriez le jouer au piano comme monsieur Paravicini. Avec un doigt? C'est ça, monsieur, avec un doigt. Mais, inspecteur, moi pas comprendre. Vous dire nous refaire nos actions? Eh bien, les mêmes actions vont être refaites, mais pas par les mêmes personnes. Merci, madame Rastan. Ah, d'accord. Je ne comprends rien. C'est un moyen pour vérifier vos déclarations. Écoutez-moi bien, je vais vous assigner vos nouvelles actions. Monsieur Drey, vous allez dans la cuisine et vous gardez un œil sur le repas de la Braston. Vous aimez bien en faire la cuisine, je crois. Oui. Monsieur Paravicini, dans la chambre de Monsieur Drey, par l'escalier de service, c'est le chemin le plus pratique. Je dois me repanier comme un monsieur Vren. Major Metcalfe, en haut dans la chambre de monsieur Raston, et examinez le téléphone. Zed Gaswell vous descendra à la cave. Monsieur Vren vous montrera le chemin. Et j'ai besoin de quelqu'un pour reproduire mes propres actions. Monsieur Raston, c'est à vous que je vais demander ça. Voudriez-vous sortir par cette fenêtre et suivre le fil du téléphone jusqu'à la porte d'entrée? Il fait plutôt froid, mais vous êtes sans doute le moins frileux ici. Et vous? Qu'allez-vous faire? Moi, je vais jouer le rôle de Madame Boy. Vous prenez un risque. Vous allez tous rester à votre place jusqu'à ce que je vous appelle. Allez-y! Jeu de société anglais. Très drôle. Pas d'objection si je mets un manteau? Je vous le recommande, monsieur. C'est commencé à jouer. Vous avez l'air très content de vous. Vous avez eu ce que vous vouliez? Oui.
Je sais. Vous savez donc qui est le meurtrier? Oui, je sais. C'est qui? Vous avez été très imprudent comme dame. Vous avez couru des risques d'être tué. Vous m'avez caché des choses. Je ne comprends pas ce que vous dites. Allons, dame, dans la police, on n'est pas si bête qu'on en a l'air. Depuis le début, j'ai su que vous étiez mêlé à l'affaire de la ferme de Longbridge. Vous saviez que Madame Bog était la juge qui a placé ses enfants dans cette ferme. En fait, vous saviez tout. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je voulais seulement oublier cette histoire. L'oublier. Votre nom de jeune fille est Warren, n'est-ce pas? Oui. Mlle Warren, vous étiez institutrice à l'école où allaient ses enfants? Oui. Est-il exact que Jimmy, l'enfant qui est mort, vous a adressé une lettre par la poste? La lettre vous suppliant de l'aider? Ce pauvre gosse a demandé de l'aide à cette jeune gentille maîtresse. Mais vous n'avez jamais répondu à cette lettre. Je n'ai pas pu, je ne l'ai jamais reçue. En fait, vous ne vous êtes pas donné la peine de répondre, dame. C'est pas vrai, j'étais malade, j'avais attrapé une pneumonie. Cette lettre a été mise de côté avec d'autres, et je l'ai trouvée des semaines plus tard. Quand je l'ai lue, ce pauvre garçon était déjà mort. Mort! Il a attendu que je fasse quelque chose, espérant, perdant espoir lentement. Cette histoire me hante. Si seulement je n'étais pas tombée malade. Mais je croyais que la police n'était pas armée. La police n'est pas armée, madame. Mais je ne suis pas de la police. Vous avez cru que j'étais de la police parce que j'appelais d'une cabine. Et j'ai dit que j'appelais du commissariat. Et que l'inspecteur trotteur allait dire « C'est moi qui ai coupé la ligne téléphonique en arrivant près de la porte d'entrée. » Vous savez qui je suis, là? Vous savez qui je suis? Je suis Georgie, le frère de Jimmy. Georgie. Au secours! Vous croyez mieux ne pas crier, madame, parce que si vous criez, je tire. Jimmy est mort. Cette méchante femme l'a tué. Elle était cruelle. Ils l'ont mise en prison. Mais la prison, c'était pas assez pour elle. Et j'ai dit que je la tuerais un jour. Et je l'ai tué dans le brouillard. C'était très amusant. J'espère que Jimmy le sait là-haut. Je les tuerai tous quand je serai grand. C'est ce que me dit quand il est mort. Parce que les adultes font toujours tout ce qui leur plaît. Je vais vous tuer, madame. Si vous me tuez, vous ne pourrez pas vous échapper. Je m'en fiche, je suis fatigué, on peut bien m'arrêter maintenant. Je me suis bien amusé, et puis ma mission est terminée. Les trois petits cochons sont supprimés. Ce revolver va faire trop de bruit. Vous avez raison, je vais faire comme aux autres, je vous tords le cou. Le dernier petit cochon, croqué par le grand méchant loup. Arrête, arrête, Turki. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas, Turki? Tu te souviens de la ferme, Turki? Les animaux. Et ce gros vieux cochon. Et le jour où le taureau nous a couru après dans le champ. Et les chiens. Les chiens? Oui, Rex et Ploumy. Cathy? Oui, Cathy, c'est moi. Tu me reconnais? Cathy? Je suis ta grande sœur. Cathy, c'est toi? Mais que fais-tu ici? Je suis venue en Angleterre pour te chercher. Donne-moi le revolver, Georgie. Le revolver. Je ne t'avais pas reconnu jusqu'à ce que tu endortis tes cheveux comme tu faisais avant. Oui, comme ça. Tu le faisais toujours avant. Allez, viens avec moi, Georgie. Je vais m'occuper de toi. Alton! Molly! Molly, tu vas bien, ma chérie? Gilles, c'était trop tard! Gilles, c'était trop tard! Qui aurait pensé que ça pouvait être lui? Il est fou! Il est complètement fou! Oui, mais toi? J'étais mêlée à cette histoire, Gilles. J'ai enseigné dans cette école, je n'y étais pour rien, mais il pensait que j'aurais pu sauver son frère. Tu aurais dû m'en parler. Je voulais seulement oublier. Ça y est, tout est sous contrôle. Pas lui a donné un somnifère. Il est complètement KO. C'est sûr, ce pauvre garçon est complètement mabou. Je l'ai soupçonné depuis le départ. Ah bon, vous saviez qu'il n'était pas de la police? Ah, s'il y a une chose dont j'étais sûr et même certain, c'est qu'il n'était pas de la police. Mais comment vous pouviez savoir? Ben, parce que moi, je suis de la police. Dès qu'on a eu connaissance de ce carnet avec écrit dessus,
Une main large de mon souhait, on s'est dit qu'il était vital d'avoir quelqu'un sur place. Alors on a demandé au vrai major Metcalf et il m'a cédé la place. Et mademoiselle Caswell est sa sœur? Oui, elle l'a reconnue tout à l'heure. Elle ne savait pas trop quoi faire. Mais heureusement, elle est venue m'en parler. Bon, allez. La neige va commencer à fondre. Les renforts vont pouvoir venir. Et moi qui pensais que c'était vrai? Moi, je pensais que c'était Paravicini. On va fouiller sérieusement sa voiture. Et alors là, je ne serais pas surpris qu'on y trouve un bon paquet de montres suisses caché dans la roue de secours. À mon avis, c'est un contrebandier. Madame Watson, à propos, je vais aller retirer les skis que j'avais cachés au-dessus de votre baldaquin. Gilles, qu'est-ce que t'es allé faire à Londres hier? Chérie, je ne voulais pas te le dire, mais je suis allé t'acheter un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Ça fait un an aujourd'hui que nous sommes mariés. Oh! Bah, moi aussi, je suis allée à Londres pour t'acheter un cadeau. Et je voulais pas non plus que tu le saches. Ce sont des cigares. J'espère qu'ils sont bons. Oh, chérie! Comme c'est gentil. Des cigares. Chinois. Tu vas les fumer? Je vais essayer, oui. Et mon cadeau? Ah oui. C'est un chapeau. Je n'en porte pratiquement jamais. Bah justement. Oh, comme il est. Merci, chérie. Mets-le pour boire. Plus tard, quand je serai mieux coiffée. Il est bien, non? La fille du magasin m'a dit qu'on n'en verrait pas deux pareils. Ah bah ça, je vous viens la croire. Venez vite, venez vite. Ça sent le brûlé dans la cuisine. Moi, vouloir dire sentir brûlé dans la cuisine. Oh non, mais t'as pas la menthe. Il y avait trois petits cochons à la plus grande pierre bouchon. Leur femme m'a dit, mais j'en ai une autre, les trois on est pas une fille avec une femme qui va bouchon. En fait, je suis une femme. C'est son anniversaire aujourd'hui.
oui. Dans le rôle du major Metcalf, Jean-Paul. Dans le rôle de Madame Boyle, Sylvie. Dans le rôle de Paris, Rastaquer... Paravicini. Claude. Dans le rôle de Christopher Wren, Philippe. Dans le rôle de Mademoiselle Cadwell, Laetitia. Dans le rôle de l'inspecteur Frotter, un grand rôle et un premier rôle, Franck. Bravo. Lydie, Pauline. Je sais pas où elle est. Pauline. Voilà, Lydie, je sais pas où elle est. Dominique, à la solo. Pour la mise en scène. Nous vous remercions de votre présence. Et bien sûr, il nous reste encore 2 séances le week-end prochain, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à toute votre famille, à votre entourage. Nous serons heureux de les accueillir. D'ailleurs, vous pouvez maintenant remettre vos téléphones en route et n'hésitez pas à communiquer. Donc, nous allons vous laisser repartir, mais avant, nous devons respecter la volonté de l'auteur de cette pièce, Madame Agatha Christie. En effet, depuis quelques minutes, vous êtes tous, vous-même, les complices des meurtres de Madame Lyon et de Madame Boyle ici présente. À ce titre, et pour que vous évitiez les poursuites, nous vous demandons de garder le silence. Levez la main et ouais. Répétez après moi. Levez la main droite, tout le monde. Répétez après moi. Dès que j'aurai franchi les portes de cette salle. Dès que j'aurai franchi les portes de cette salle. Ensemble, s'il vous plaît. Je jure de ne pas divulguer le nom de l'assassin. Je jure de ne pas divulguer le nom de l'assassin. Je fais le serment de garder au fond de mon cœur. Je fais le serment de garder au fond de mon cœur. Le secret de la souricière. Le secret de la souricière. Encore merci et à l'année prochaine. Thank you.